rien en tête. Voilà les coureurs ici donc dans les voitures, comme l'on dit régulièrement. Voilà ici du côté de Pessac-Ving. Messieurs, vous êtes à 8 tours de l'arrivée pour l'ensemble des coureurs qui nous rejoignent ici maintenant. 8 boucles de 4 800 km qui a également servi de théâtre pour la course attente des U17. Alors mesdames et messieurs, on compte sur vous pour encourager les coureurs, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière de cette épreuve. Ils vont faire le maximum pour vous gratifier d'un très beau spectacle et pour figurer dans le classement final de cette 11e édition de cette route des mégalithes. Pour le peloton qui nous rejoint, vous êtes messieurs à 8 heures de l'arrivée. À 8 heures de l'arrivée pour l'ensemble de ces coureurs qui nous rejoignent ici à ce passage. À 8 tours de l'arrivée pour l'ensemble de ses concurrents. On se rappelle qu'ils étaient 125 unités sur la ligne de départ. Ceci à 8 tours de l'arrivée pour cet imposant peloton qui s'en va donc effectuer ses 8 boucles de 4 km 800 avec une fin de course ici qui est notamment pour l'instant le dossard numéro 10. À nouveau donc du côté Axel Guilbert de Plouet Cycling Club, celui qui avait terminé 3e sur le championnat départemental de cyclocross, c'était sur le site de l'étang de la forêt à Brandivy.
Voilà, les coureurs ici, donc, dans les voitures, comme l'ont dit régulièrement. Merci, Renal. Voilà pour vous, messieurs. Vous êtes également à 7 tours de l'arrivée. À 7 tours de l'arrivée pour vous, messieurs. Septième. Je vois rien avec mon truc. J'ai le soleil trop haut. C'est pas grave, ça pédale. Allez, Julien, allez, Julien, allez. On va attendre Julien. Je reste. Ça descend, mais là, il y a force. Je viens par là. Oh, je vois rien. Allez, Noan est là. Allez, Tom, allez. Allez, Corentin, allez. Ça doit être fin du sixième tour. Je connais ça. Je connais ça. Allez,
viens. Allez, les gars, allez. Allez, Théo. Allez, allez, bonhomme, allez. Allez, ils sont pas loin. Allez, allez. Donc là, il doit rester 3 tours. Allez, Corentin. Belle prestation également de Alex Prodhomme, le secrétaire du VC. Oui. Maintenant, c'est deux tours restants. Quand le secrétaire de l'Aval, 53, celui-ci, le président, beaucoup de ses chances dans le final de cette épreuve. On sait tout le scénario, le suspense qui va s'installer sur les dernières routes. Gabin Richard, le sociétaire donc, celui qui vient de terminer second également. Gabin Richard qui est champion de Bretagne par équipe avec ses copains du Vélo Français, à savoir Augustin Le Galidec, Evan Maé, qui lui était champion de Bretagne du 17, également du côté de Alex Dolter, qui est également présent ici donc sur cette épreuve. Un Alex Dolter qui a remporté dimanche dernier, c'était sur l'épreuve Allaire-Redon. Allez, on lance 800 aux hommes de tête avant de se départager. Pour la tête de course, messieurs. 40, 30, allez, 10, on va lancer précédemment.
côté de Raphaël Blond. On est bien en jungle dans le final de cette épreuve. On est au coude à coude, si je puis m'exprimer ainsi, avec Théo Leroux, du type Patrice, secret procédant de BLC. À Théo Leroux, bien en jungle, lui aussi, dans le final de cette épreuve. Un public de plus en plus nombreux. Voilà pour la tête de course qui nous rejoint ici maintenant. À un tour de l'arrivée. La tête de course n'est plus en point de mire de la première contre-attaque dans le final. Très belle prestation de l'ensemble des coureurs. Ici, c'est Axel Pronob du VS Dinan Cycling Club qui mène les hostilités pour tenter de réduire l'écart entre la tête de course et le premier groupe de contre-attaque. Il leur reste maintenant une boucle de 4 km 800. La dernière prime, dernier sprint de l'après-midi, mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, ce n'est pas le dernier sprint de la course, car bien sûr, il va y avoir l'emballage final. Allez-vous être assisté à un emballage final, un sprint avec les échappés, ou alors l'un d'entre eux aura-t-il une ressource suffisante pour penser compagnie au groupe auquel il appartient. C'est tout le suspense qui va s'installer maintenant dans moins de 4 km 800 de savoir qui va succéder à Elias Larmette qui l'avait remporté l'an dernier. Allez, Corentin, c'est bien, c'est bien. Pour le groupe qui nous rejoint ici, mesdames et messieurs, au prochain passage, c'est l'arrivée pour vous, messieurs. Au prochain passage, c'est l'arrivée. Mesdames et messieurs, ces coureurs méritent également vos encouragements. Ils auront fait le maximum pour figurer dans le classement final de cette épreuve. 11e route mégalithique ici, donc à Bousserac. Messieurs, vous êtes à un tour de la... Voilà, ici maintenant à l'arrivée avec Théo Leroux de la team La Crème Brocéliande. Donc, Théo Leroux qui vient d'inscrire son nom au palmarès de cette épreuve avec Raphaël Glot de Laval Cyclisme 53 qui termine sur la deuxième marche du podium. Voilà, on peut applaudir l'un des plus combatifs de cette épreuve sur le circuit final. Deuxième lundi dernier à Crac, deuxième aujourd'hui à Boustorac, quoi qu'il en soit. Théo Leroux ne s'est pas posé de questions dans le final de cette épreuve. Ouais, je t'avais dit qu'il allait gagner. Voilà, ici maintenant, il reste une place à venir chercher ici dans le final de cette épreuve. Il faut dire que les deux hommes de tête avaient pris quelques longueurs d'avance. Ils n'étaient plus. Ah voilà, pour la troisième marche du podium ici maintenant, un sprint de lancer de très loin devant les encouragements du public sportif de Boustorac. Dernier coup de pédale pour Alex Prodhomme, le sociétaire de Dinan, VC Dinan Cycling. Alex Prodhomme qui viendra ici sur la troisième marche du podium. Alors c'est l'arrivée pour l'ensemble des concurrents qui nous rejoignent ici maintenant. C'est l'arrivée pour vous messieurs. Vous pouvez, mesdames et messieurs, les applaudir. Ils vous ont gratifié d'un très beau spectacle tout au long de cette 11e édition de la Route des Mégalithes ici. Bravo. À Boustorac. Un final de toute beauté avec la belle victoire dans son jardin, devant ses supporters, devant son partenaire, devant son messieurs. C'est l'arrivée également pour vous messieurs, sous les encouragements du public sportif de Boustorac. Voilà pour ces coureurs qui nous rejoignent également. Pour nous rejoindre au pied du podium dans quelques instants lorsque cette épreuve sera terminée, les trois premiers vont nous rejoindre. Théo Leroux, Raphaël Leclos, Axel Prodhomme, le premier Open 1, le premier meilleur animateur et le premier grimpeur également à nos côtés.